Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo masque consacrée donc à un véhicule de la team masque, donc des gentils, à savoir donc le Firefly et son pilote Julio Lopez. Voilà, petit véhicule que j'aime beaucoup, que j'ai eu étant gamin. Vous allez comprendre pourquoi donc je suis très attaché à ce petit véhicule. Voilà, donc les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Commençons tout de suite donc les présentations comme toujours par la figurine, donc notre pilote Julio Lopez, voilà, un docteur dans le civil qui donc auprès de la team masque donc est aussi expert en langues étrangères et en cartographie. Nous n'en savons malheureusement pas plus car ce personnage tout comme son véhicule se font vraiment très 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 rares dans la série. Voilà, un personnage vraiment on peut dire secondaire. Néanmoins, donc, le moule de la tenue est absolument superbe. J'adore les couleurs. J'adore donc, voilà, toutes les petites moulures et gravures, sculptures et autres du personnage. Le visage est bien fait avec la petite moustache, hein, comme dans la série animée. Bon, le visage n'est pas des plus ressemblants, mais voilà, ça fait son taf. Comme toujours, donc, voilà, nous avons en termes d'articulation la tête que nous pouvons donc pivoter de gauche à droite. Une rotation à 360 des bras. Nous pouvons l'asseoir et également donc plier ses genoux. Voilà qui est amplement suffisant pour une figurine de cette taille. Donc voilà, articulée, mais pas trop. Donc ça nous garantit quand même voilà, une bonne stabilité et surtout une bonne solidité de la figurine. Voilà, figurine que je trouve vraiment super chouette. Et donc pour son masque, alors pour son masque, le voici, le voilà. Alors je fais une petite mise au point dessus. J'espère que vous allez réussir à le voir proprement. Le voici donc. Il s'agit donc du masque, voilà, de notre Julio Lopez avec le pouvoir du masque qui n'est autre que Streamer, voilà, donc capable de lancer à la fois des jets d'huile ou de colle, voilà, pour bien embêter les méchants. Le masque est super, hein, vous voyez, il est coupé, il prend pas trop de place, il est assez discret, voilà, avec cette grande visière bleue.
Voilà, je le trouve vraiment superbe, rien à dire. Et puis, bien entendu, donc voilà, notre Julio Lopez, une fois donc son masque équipé. Et voilà donc pour cette vraiment figurine plutôt très charmante. Et petit 360 donc de notre Firefly, voilà donc dont son mode civil n'est autre qu'un petit buggy extrêmement bien réalisé. Les couleurs sont elles aussi sympas, vives, les autocollants viennent apporter comme toujours un petit peu de relief et surtout habillent de fort belle façon ce petit véhicule. Nous avons toujours des pneus gomme mais nous reviendrons dessus juste après. Et regardez-moi cet énorme bloc moteur, voilà tout en chrome, absolument sensationnel. Petit véhicule donc que nous sommes assez nombreux à avoir, nous autres fans de masques, parce qu'il a été produit en masse, il a été donc distribué de la même façon. Et puis donc l'avantage premier surtout de ce véhicule, c'est qu'à l'époque, il coûtait moins de 100 francs. Alors les jeunes aujourd'hui voilà, n'auront pas trop d'idées de ce que peut représenter 100 francs, mais on peut dire, voilà, vous êtes un petit peu moins de 15 euros. Voilà, donc à l'époque, le prix pour ce véhicule était vraiment accessible. Ça changeait des petites motos également, donc qui étaient souvent les véhicules les moins chers donc, dans la gamme masque. Et là, donc pour moins de 100 francs à l'époque, bah, ça nous permettait d'avoir voilà, cette petite buggy, ma foi, extrêmement bien réalisée. Alors concernant donc les finitions, bah, comme je vous disais, hein, rien à dire. Masque oblige, nous avons voilà quelque chose d'extrêmement bien réalisé, même si le véhicule n'est pas cher, donc voilà qui fait plaisir. Les finitions sont très sympathiques, donc nous avons tout d'abord des stickers ici, voilà des autocollants avec donc le nombre 26. Voilà d'autres stickers ici qu'il faudrait que je recolle d'ailleurs, hein, je précise hein, que ce jouet était à moi quand j'étais môme. Voilà donc avec les petits voilà les petits évents ici pour la ventilation. Là également un petit volant, voilà. Avec une forme très sympathique qui n'est pas sans rappeler donc le volant de kit, voilà, de notre petite kit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un clin d'œil à la série donc K2000. Voilà, deux petits autocollants sur les côtés qui viennent habiller le tableau de bord. Ça j'aime beaucoup. La forme du siège aussi est très très jolie. On a l'impression de sentir presque la texture. Je fais voilà, un petit zoom dessus. Vous voyez, il y a une petite texture un peu grainée, on a vraiment l'impression que voilà, le siège est réel. Voilà un petit peu donc de côté ce que ça donne avec là encore des stickers. Les roues roulent parfaitement, pas de chrome pour ces dernières. Néanmoins, nous avons donc pour les roues, voilà, des roues en gomme. Voilà, très souple. Donc ça, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt encore un bon point. Et l'autre bon point, alors voilà, je me rappelle. Quand je jouais avec un sur le sable ou sur de la terre, en fait, nous avions, vous voyez, les pneus sont alvéolés. Et donc j'aimais beaucoup parce que du coup, voilà, ça laissait les traces de pneus avec les petites marques dessus. Voilà, ça c'était quelque chose que j'aime beaucoup. Nous avons également tout ce bloc moteur, vous voyez, qui est en chrome. Voilà, du plus bel effet. Chrome qui a plutôt bien vieilli au travers des années. Le petit aileron arrière juste ici. Les deux pots d'échappement, les deux sorties d'échappement à l'arrière. Non, vraiment, le véhicule est très propre. Et même, on regardait au niveau de l'undercarriage, au niveau du dessous du véhicule, bah là encore, rien n'est visible. Voilà, tout est camouflé, tout est parfaitement rangé. Donc voilà, on a vraiment quelque chose pour celui qui ne connaît pas. Voilà, il est peu probable qu'il sache que ce véhicule est capable de se transformer. Donc voilà, pour le côté respectueux, donc si on se met dans le contexte du dessin animé ou dans un film, il remplit bien son job. Seul petit bémol pour moi, je dirais, c'est que j'aurais aimé que les arceaux ici, les tubes, soient eux également, donc non pas en chrome, mais en métal, enfin en couleur métal, mat ou passé un petit peu, ça aurait donné davantage de relief au véhicule. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir, hein, ce véhicule étant vraiment une véritable petite réussite, surtout au vu de son prix. Voilà, donc véhicule que nous sommes nombreux, et véhicule qui est également donc très courant, on trouve assez facilement aujourd'hui à vraiment pas trop trop cher. Petite chose également très sympa, alors donc ce n'est pas prévu dans la notice, c'est que vous avez donc juste ici, vous voyez, un petit creux, un petit vide. Voilà, moi ce que je faisais, c'était que voilà, je stockais le masque à l'arrière lorsque je voulais donc que Julio Lopez, voilà, soit lui aussi dans son mode civil, voilà, qui était plutôt sympa. Et pour un display, bah, vous pouvez faire la même chose. Du coup, voilà, ça vous évite de paumer le masque, voilà, inutilement. Voilà,
pour cette petite donc astuce made in papy, mais je suppose que je n'étais pas le seul donc à utiliser ce petit compartiment pour ça. Et côté transformation, eh bien écoutez, là encore, c'est un sans faute. La transformation est vraiment excellente. Malgré sa taille et son prix faible, nous avons quand même une transformation en partie donc mécanique. Voilà, ça c'est vraiment super cool. Alors on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, je mets donc le masque, voilà, streamer sur la tronche de notre Julio Lopez. Je fais un plan général. Je réduis tout ça. Voilà. Donc vous avez juste ici, à l'arrière, voilà, cette petite patte, juste là, et une juste là. Donc vous maintenez votre véhicule, voilà, au niveau du dessous des sorties d'échappement, et vous tirez vers l'arrière, comme ceci, et voilà, la transformation est automatique. Nous avons donc le bas qui se déploie pour former des petites ailes. Ensuite, plus qu'à déployer les panneaux à l'avant comme ceci. Voilà, on calibre bien le petit laser. Et voilà, tout simple mais super efficace, notre petit Firefly, donc transformé. Voilà, Firefly pour ceux qui ne le savent pas, donc qui veut dire luciole. Voilà un petit peu, hein, et c'est vraiment génialissime. Comme vous l'avez vu, la transformation est super intuitive. Vous avez juste à tirer le petit levier, c'est automatique, ça se fait tout seul, comme pour certains véhicules. Donc vraiment du tonnerre. Et ce qui est appréciable aussi, c'est qu'on a donc du coup les roues qui font presque office également, donc deux réacteurs supplémentaires. Voilà, histoire de lui donner un petit peu plus de puissance. Nous avons là encore des autocollants juste ici, donc où est indiqué donc la team masque. Voilà, donc vraiment excellemment réussi. Voilà ce que ça donne du coup maintenant au niveau de l'undercarriage. Hein. On a vraiment voilà cet esprit buggy avec les ouvertures en dessous du véhicule. Voilà qui est vraiment très très propre. Alors nous avons en termes d'armement les deux petits canons qui se trouvent ici et ici. Alors qui sont parfois durs à trouver ou qui se cassent également très facilement du fait de leur toute petite taille. Et nous avons également donc voilà un petit laser à l'avant que l'on peut pivoter de gauche à droite. Et petite cerise sur le gâteau, donc pour les attaques aériennes, cette fois-ci vous allez venir, voilà, utiliser la petite languette qui se trouve juste ici sur la droite. Voilà, je monte un petit peu comme ceci, j'appuie dessus, et hop là, voilà, il largue un missile. Voilà, le petit missile donc de Firefly, qui peut être sympa donc pour les combats aériens quand on joue par exemple avec Manta ou Venom ou d'autres véhicules. Voilà qui est plutôt pas mal. Donc on a la trappe qui est juste ici. Alors je vais essayer de vous faire à nouveau une mise au point. Voilà la petite trappe que vous voyez ici en gris. Hop. Et donc lorsque vous appuyez sur le levier, et eh bien voilà, vous voyez, vous avez la trappe qui s'ouvre automatiquement et qui permet donc de laisser s'échapper, donc de larguer le petit missile. Voilà qui est vraiment très très astucieux. Voilà, moi ce que j'aime bien vraiment avec ce véhicule, c'est que voilà, malgré sa petite taille, tout est parfaitement exploité. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc voilà, c'est vraiment très très bien conçu. Hein, l'ingénierie est excellente. Et voilà, donc pour 100 francs, ce que vous pouviez, enfin pour un petit peu moins de 100 francs, voilà ce que vous pouviez avoir à l'époque. Vraiment un véritable régal. Alors je vais faire un petit tour de plateau, hein, mais voilà, quelle que soit l'angle, vous allez voir, quel que soit l'angle dans lequel vous regardez le véhicule, c'est absolument donc sensationnel. Et voilà donc un petit 360 du mode, donc alors mini jet ou petit planeur motorisé, hein, c'est comme vous voulez. Voilà qui est plutôt super classe. Le seul regret vraiment pour moi, c'est qu'il n'ait pas été plus souvent représenté dans le dessin animé. On doit le voir dans peut-être une petite dizaine d'épisodes et encore sur plus de 50. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, d'autant plus que dans certains des épisodes, il apparaît, mais on ne le voit pas se transformer ou combattre. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça n'empêche pas donc le plaisir d'avoir le véhicule en jouet. Voilà, j'ai pas grand chose de négatif à dire, hein, à part les arceaux et les tubes pour lesquels j'aurais aimé qu'ils soient peints pour avoir une espèce de structure métallique. Le reste, c'est vraiment tout bon. Et comme beaucoup de jouets des années 80, comme les Transformers, GoBots ou autres, voilà, l'ajout de stickers, c'est tout simplement bah, bénéfique pour
Pour ce type de véhicule, hein, on a des détails supplémentaires qu'on ne pourrait pas faire, enfin qu'il n'était pas possible de vraiment faire à l'époque autrement. Donc voilà, vraiment une petite merveille. Et pour repasser donc du mode attaque au mode civil, et bien là encore, hein, c'est vraiment super rapide, simple et intuitif. Vous rabattez, voilà, les panneaux avant comme ceci. Et vous voyez, vous avez les deux roues. Voilà, vous n'avez pas à forcer, vous rentrez donc comme ceci. Voilà, vous loquez le tout. Voilà. Et voilà, notre Firefly à nouveau dans son mode véhicule. Tout comme le petit gobo les Gobots, nous avons donc ce plaisir d'avoir une transformation quasi immédiate. Et donc voilà, la rejouabilité est là, et du coup on peut passer très facilement d'un mode véhicule à l'autre. Et puis regardez, avec ces gros pneus caoutchouc, regardez-moi, la voiture est super silencieuse, et malgré son âge, elle roule toujours aussi bien. C'est véritablement un plaisir, et j'adore également donc ces énormes pneus à l'arrière, voilà, absolument splendides, avec les petites nervures ici, donc qui permettent de laisser des petites traces lorsqu'on joue avec, sur du sable ou de la terre battue. Enfin bref, voilà, du plaisir en barre. Ouais! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour, donc consacrée au très sympathique Firefly et son pilote, donc Julio Lopez de la team Mask. J'espère que cette revue vous a plu, qu'elle a permis donc pour les uns de découvrir et pour les autres de redécouvrir vraiment ce véhicule incontournable. N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce véhicule. D'avance, merci pour tous vos petits pouces bleus qui font, vous le savez, infiniment plaisir. J'ai constaté donc avec beaucoup de plaisir d'ailleurs que mes deux dernières vidéos avaient été pas mal likées. Donc voilà, merci à vous. Ça fait vachement plaisir. Merci comme toujours donc pour votre patience, votre amitié, votre gentillesse et votre indulgence. Car vous le savez, je suis un peu gaffeur parfois. Mais bon, voilà. Le passionné parfois, voilà, est un petit peu gaffeur. Mais bon, j'assume parfaitement, hein, depuis maintenant, on a l'habitude. Voilà, et nous arrivons, donc là, nous sommes au mois de juin, et nous arrivons tout doucement, là, d'ici la fin du mois, aux 7 ans de ma chaîne. Donc voilà, qui fait vachement plaisir, donc je ferai peut-être une petite revue spéciale dessus. Je ne vous retiens pas plus, week-end oblige quand même. Donc on se retrouve, écoutez, lundi pour de nouvelles aventures. Alors peut-être Gobots, peut-être Transformers, je ne sais pas encore. Donc ce sera la surprise, mais ce sera de toute façon du jouet transformable. Voilà. Donc d'ici là, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, profitez bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Ah ouais, vraiment cool quand même ce Firefly, j'adore! Ouais, par contre, mieux vaut l'appeler par son nom original Firefly que sa traduction Luciole, parce que, voilà, la petite Luciole, dans l'univers Mask, ça ferait complètement ridicule, hein? Tu crois pas? Ça manque de crédibilité. Allez, Julio Lopez, prends ton Luciole! Ouais, j'avoue, c'est un peu la loose! Ouais, et ben continuez comme ça et je vous passe en boucle le tombeau des Lucioles, bande de trouducs. Oh non, pas ça, s'il te plaît! Oh non, oh là là, je supporte pas ce film, il me fait trop pleurer! Oh oui, moi je suis triste à chaque fois avec ce film. Alors non, s'il te plaît, ne nous mets pas le tombeau des Lucioles. Ouais, bah c'est bien tentant quand même. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.